La reine Letizia d'Espagne est de retour en Angleterre, le 5 avril 2022. La souveraine espagnole n'était pas accompagnée par son mari, le roi Felipe VI d'Espagne, 54 ans, cette fois-ci. Le roi Felipe VI d'Espagne, et sa femme, la reine Letizia d'Espagne, 49 ans, ont récemment été à Londres. Les souverains espagnols faisaient partie des têtes couronnées à avoir assisté au service d'action de grâce en mémoire du prince Philippe. La cérémonie s'est tenue le 29 mars 2022 à l'abbaye de Westminster. Le mardi 5 avril 2022, la reine Letizia d'Espagne s'est rendue au nord-est de l'Angleterre, au château d'Auckland, selon Histoire Royale. Le prince Charles, prince de Galles, 73 ans, en personne est venu accueillir chaleureusement Letizia d'Espagne. Le prince de Galles accueille la reine Letizia avec un baise-main à Bishop Auckland, précise Histoire Royale. La raison de ce second déplacement de la reine Letizia d'Espagne en Angleterre est une visite culturelle. Le château d'Auckland abrite l'évêché de Durham depuis 1832 ainsi qu'un musée ouvert au public. Tout au long de sa visite, la souveraine espagnole a été guidée par le prince de Galles. La raison principale de la visite de la reine Letizia d'Espagne est l'inauguration de la Spanish Gallery of Bishop Auckland. Cette galerie espagnole du château d'Auckland est dédiée à la promotion de la culture espagnole et sera une source importante d'études académiques sur l'histoire picturale de l'âge d'or de l'art espagnol, selon Histoire Royale. La reine Letizia d'Espagne épate la galerie avec une nouvelle robe bordeaux. Cette visite en solo de la maman des princesses Léonore et Sofia a été l'occasion pour elle de porter une nouvelle robe magnifique. Letizia d'Espagne a porté une robe midi à manches longues de couleur bordeaux. La robe sophistiquée, signée Carolina Herrera, comporte une ligne de boutons noirs sur chaque épaule. En arrivant sur la cour du château d'Auckland, Letizia d'Ortiz était couverte d'un magnifique manteau noir également signé par sa créatrice de mode vénézuélienne préférée, Carolina Herrera. Aux oreilles, elle portait les discrètes boucles d'oreilles Chanel en forme de plume, un bijou vendu 7 600 euros, indique Histoire Royale.